À commune rurale de Kiondo, depuis ce samedi 3 août, les étudiants de l'Université de l'Assomption au concours ont animé trois messes successives. La messe vespérale de ce samedi dans la paroisse Immaculée Conception de Kiondo. Les dimanches, ils ont animé la première et la troisième messe dans la même église. Ils ont effectué la mission principale de leur séjour dans cette agglomération ce même dimanche à midi. Le comité étudiantin de l'UAC a organisé une conférence. Une séance à l'issue de laquelle la délégation a exposé les diverses réalisations des quatre facultés organisées à l'UAC. José Lukamba, le président du comité étudiantin, apprécie la réussite de ces activités réalisées par la délégation d'étudiants qu'il a pilotée. L'objectif est de sensibiliser les lauréats de la dernière édition d'examen d'État à venir s'inscrire à l'UAC. Hésitation positive, notre séjour à Kiondo, notre souhait, c'était de venir nous faire voir à travers les différentes mains et réaliser cette journée porte ouverte pour s'intéresser aux jeunes, de faire parler un peu de l'UAC. Ils ont compris l'UAC, c'est quoi, ça se situe où, tout ça, même les quelques œuvres qu'ils ont vues, vraiment, c'est tellement positif. Là, nous attendons juste la suite, donc, c'est-à-dire à la rentrée académique, nous verrons si nous serons à mesure d'avoir combien d'élèves, combien d'étudiants qui sont venus de ces côtés ici pour nous rejoindre, pour aller approfondir aussi leurs connaissances par rapport aux œuvres qu'ils ont vues aujourd'hui. Dans le but de faire connaître l'UAC à travers les coins environnants, la ville de Butembo, les étudiants se rendent dans certaines entités pour la sensibilisation des nouveaux et anciens diplômés d'État. Quelques semaines avant, ils ont été dans la ville de Beni pour la même mission. José Lukamba adresse ses gratitudes au comité de gestion de l'UAC d'avoir autorisé cet événement, aux habitants de Kiondo pour l'hospitalité à leur égard. Dans la soirée du dimanche, ils ont regagné Butembo, leur lieu de provenance.